good things must come to an end. It's right in front of me, so there's no reason to pretend, except I'm afraid to die. If this were a movie, you'd be taking our kids to school, and I will be Channing Tatum or somebody, somebody, somebody cool. But years from now, if you could make them proud, you could leave the world and feel like you've achieved the things you hope to do. Cause honestly, I don't feel ordinary, cause I haven't left my house in a while. Bonsoir à tous, bienvenue à Salzbourg et bienvenue pour cette demi-finale retour entre le Red Bull Salzbourg et l'Olympique de Marseille. Marseille qui s'est imposé 2-0 au Stade Vélodrome la semaine dernière. Et Marseille, s'il garde un match nul ou si évidemment il s'impose une nouvelle fois, ils iront en finale, soit contre l'Atlético Madrid ou contre Arsenal. On sera les finalistes, ce soir. Vu que les deux demi-finales se jouent en même temps, forcément c'est le même jour. Duel entre Dabour et Thauvin, 4 buts en 3 matchs pour Thauvin. Et Dabour, meilleur buteur de Bundesliga en Autriche. Mais ce n'était pas le sujet du jour. Marseille qui pourrait réussir l'exploit de remettre un club français en finale depuis de très longues années, depuis 1993. La composition de Marco Rose qui n'a évidemment pas changé. 4-3-1-2 cette fois-ci, et Gulbrandsen est titulaire et pas Wang Yi-Chan qui était titulaire la semaine dernière à Marseille. On va être assisté à la composition des Marseillais. L'ambiance n'est pas exceptionnelle, forcément Salzbourg sait qu'ils sont très mal partis pour la finale. On ne sait jamais, un exploit peut vite arriver. La composition de Rudy Garcia avec toujours Johan Pelé dans les buts qui a été héroïque la semaine dernière. Fait Jarbin en pointe devant Payet et sur les côtés Lucas Ocampos et Florian Thauvin. Pas de changement de ce côté-là, à part que Jarbin est titulaire et pas Konstantinos Mitroglou. Le match va bientôt commencer. Marseille est très bien parti, mais c'est loin d'être terminé. Il reste encore 90 minutes avant de pouvoir souffler et d'aller en finale à Lyon dans quelques jours. Et ce sont les Marseillais qui vont engager, justement, avec Valère Germain complètement seul dans le rond central. Et c'est parti pour cette demi-finale retour. Marseille, pour l'instant, peut souffler. Il reste encore 90 minutes avant la finale. On va voir si Marseille peut y arriver. Interception de Haïdara. Schlager. Berisha. Ulmer. Dabour. Attention avec Ulmer encore. Et non, pas l'interception de Campos. Schlager. Hors jeu. Ça semble un peu sévère ce hors jeu pour Schlager. Ouais, ça se joue pas grand chose avec Boudassar qui a bien joué le coup. Le coup franc, oui, pour Luis Gustavo qui a été tout simplement héroïque lors du match aller. C'est complètement raté ce coup franc. Berisha. Schlager. Berisha. Interception de Sanson. Ocampos. Interception de Sabasekou. Schlager. Gulbrandsen, Haïdara, Berisha, c'est bien joué avec Kulmer qui peut déborder. Attention avec Gulbrandsen, Berisha, Haïdara, Gulbrandsen, le très bon retour de Rami qui empêche l'action de continuer. À ma vie, Sanson, à ma vie, Payet, Ocampos. Payet, l'interception de Sabasekou, Gulbrandsen. Sabasekou toujours, Berisha. Schlager, Berisha. Dabour avec Schlager. Ça passe juste au-dessus. C'est une énorme occasion pour Xavier Schlager. C'est 7 premières minutes, sont totalement dominées par le Red Bull Salzbourg, qui la veut sa finale. Mais il y a 2 buts à aller chercher. Pour l'instant, Marseille n'arrive pas à sortir de son camp.
Pour la domination est totalement autrichienne. Il va bien falloir que les Marseillais réussissent à sortir de leur camp. À ma vie. Sanson. À ma vie. Luis Gustavo. À ma vie. Et la passe complètement ratée. Interception de Berisha. Dabour. Aïdara. Schlager. Samaseku. Schlager. Aïdara, pardon. Schlager. Dabour. Oh, très bon retour de Luis Gustavo. C'est après ça, c'est retourné. Dabour, oh, le superbe tacle. Le ballon toujours pour les Marseillais. Payet. Enfin, on change de camp. Sanson. Ocampos. Payet. Payet. Interception. Finalement de Kalitakar. Kalitakar, pardon. Schlager. Aïdara. Aïdara toujours à la lutte avec Tovin. Gulbrandsen. Ça va, c'est cool. Interception. Payet. Sanson. Sanson toujours. Payet qui est parfaitement lancé. Payet, le très bon retour. Et c'est finalement dégagé. Ça revient directement sur Luis Gustavo. Ocampos. Payet. Sanson. Oh, le bon dribble de Sanson sur Ulmer. Payet. Payet toujours qui réussit à se débarrasser. La défense, la frappe de Dimitri Payet qui passe largement à côté. Une frappe de chaque côté. Payet qui a fait le festival encore une fois. Même si sa frappe manque de précision. Mais au moins, les Marseillais ont fait réussir à tirer au but. Parce qu'au début, c'était mal parti. Pour voir les Marseillais frapper, tenter leur chance. Alexander Valque qui prend bien son temps. C'est pas vraiment une bonne idée. Ocampos. Germain. Ocampos pour Payet, ça joue très vite du côté Marseille. Attention, Ocampos, non, ça ne sort pas. Ouf, c'était juste Amavi qui a tenté de dédoubler. Il a toujours le ballon. Ocampos. Sanson, Amavi, Payet. Ocampos, le très bon retour. Le Thierry Takar, encore une fois. Il est précieux, le dégagement d'Aïdara. Ça va finalement être pour Jordan Amavi, ce ballon. Ocampos. À ma vie, Sanson, Lopez, Payet, Lopez, interception, Sabasekou, Schlager, Gulbrandsen, Leiner, Leiner toujours, qui tente de déborder, c'est contré par Sarr, non, c'était pas Sarr, Luis Gustavo, Sarr, Lopez, Thauvin, Payet, Germain, Lopez, Thauvin, Lopez, la belle talonnade pour Payet, Payet toujours qui cherche une solution, il n'y a personne pour le moment, et oui l'interception c'était logique, c'est dégagé, attention avec Dabour, Schlager, Gulbrandsen parfaitement lancé, et le but, ah non il est hors jeu, non non, il est hors jeu Gulbrandsen, ouh ça semble une limite. On n'a rien à dire. Pas, quoique c'est. Il était peut-être sur la même ligne que Luis Gustavo. Kabdil Rami plutôt, pardon. Nous, ça semble sévère là, ce hors-jeu. Parce que quand on regarde bien le ralenti, il semble sur la même ligne. Kabdil Rami. Mais bon. C'est trop tard, c'est sifflé. On peut plus revenir là-dessus. Aïdara. Schlager. Biaïcha. Schlager. Berisha, Ulmer, Berisha, Dabour, Schlager qui est parfaitement placé, Dabour, et la superbe parade de Johan Pelé qui recommence, qui continue plutôt d'être héroïque face à cette équipe valeureuse du Red Bull Salzbourg. Ça ne veut toujours pas passer face à Johan Pelé, mais quel gardien! Pourtant, on pensait que Mandanda était largement meilleur. Ben non. C'est bien toujours Marseille qui a toujours deux buts d'avance. Même s'il y a toujours 0 à 0 pour l'instant. Le corner. C'est ça, ça revient. Et ça passe largement à côté. Il me semble bien que c'est Dabour qui a tenté sa chance. Et c'est complètement manqué. Et Pelé qui va pouvoir dégager.
Directement sur Thauvin. Le ballon n'est pas perdu. Sanson. Germain. Payet. Sarr. Il est parfaitement lancé. Florian Thauvin. Payet qui essaie de se retourner. Il ne pourra pas. Lopez. Lopez. La frappe de Lopez. Ça passe largement à côté. Cette frappe de Maxime Lopez. Non, ça n'a pas été touché. Et décidément, les deux équipes se valent ce soir. Elles se valaient aussi la semaine dernière, même si Marseille a réussi à faire la différence finalement. Ouais, mais ce soir, c'est pratiquement le 50-50. Deux tirs des deux côtés et deux tirs à côté. Enfin, même trois pour Salzbourg, vu que Pelé a arrêté une frappe. Samasekou. Aïdara. Ouh là, il a fait prendre le ballon Lopez. Il n'y a pas été bizarrement. Schlager. Leiner, le bon dribble sur Thauvin. Aïdara. La transversale avec Kulber qui est parfaitement réussi. Schlager. Interception de Sanson. Germain. Sanson. Germain. Payet. Ocampos qui attend une ouverture, une solution parce que là il est en difficulté. Payet qui sort de nulle part. Payet toujours, il y a peut-être faute. Mais ça est à car, l'arbitre ne lui dira rien. Schlager. Kulbrandsen. Schlager. Leiner. Schlager encore. Leiner. Aïdara. Schlager. Kulbrandsen peut-être. Non, très bon retour de Thauvin. Et finalement, le ballon n'ira pas plus loin. Aïdara. Leiner. Aïdara. Kulbrandsen. Attention avec Schlager. Samasekou. Attention, Schlager encore. La frappe de Schlager. Et encore la règle de Johan Pelé. Déjà le deuxième arrêt de Johan Pelé. Bon, magnifique petit pont sur Luis Gustavo. Ou peut-être Boudassar. Je suis pas sûr, mais c'est pas grave. Mais encore une fois, Johan Pelé, le mur infranchissable. Est encore là. Pour réduire à néant les espoirs des Autrichiens. Mais attention, le corner peut peut-être tout changer. C'est bien tiré par Berisha. C'est dégagé par Ocampos. Et Germain qui n'a pas le ballon. Ulmer. Et là, finalement, l'interception de Germain, mais le ballon est vite perdu. Berisha. Ulmer. Schlager. Samasekou. Aïdara. Samasekou. Aïdara encore. Schlager. C'est contré par Gustavo Sampa. C'est pas fini. Berisha est but. Et ben voilà. Cette fois, le mur est franchi. 1-0, 2 buts à 1, score cumulé. Salzbourg gagne un but de l'exploit. Attention, c'est pas fini. Salzbourg, on se disait c'était fini lors du quart de finale, mais c'était revenu. Finalement, ils vont peut-être leur faire. Pelé ne peut rien faire ça avec une balle de tête précision de Valon Berisha. Reste à 1-0 pour Salzbourg. Marseille encore un but d'avance. Mais attention, on peut reprendre un autre. Parce que là, ça pourrait tout changer. Ce serait évidemment les prolongations. Et voilà. La semaine dernière, Salzbourg n'a pas réussi à trouver le chemin défilé. Et bien ce soir, c'est le cas. Et ça fait 1-0. Et ça fait 2-1. Score cumulé. Attention. C'est loin d'être terminé pour Salzbourg. Sanson. Interception de Schlager. Décidément, on le voit partout ce soir. Tabour. Berisha, Schlager, Samasekou, Berisha, Leiner, Ulmer, pardon, ça joue plus vite du côté de Salzbourg tout à coup. Samasekou, Berisha, Schlager, et c'est qu'on est intercepté par Luis Gustavo. Sanson, Thauvin toujours, qui cherche une solution, ce sera finalement toujours pour lui, et l'interception de Samasekou, elle était trop. Il a joué trop tout seul sur ce coup-là, alors qu'il y avait du monde. Schlager. Ulmer, Berisha. Dabour. Non. Babi n'a pas réussi à récupérer le ballon. Finalement, intercepté par Ocampos. Sanson. Thauvin. Sarr. Germain qui peut aller déborder. Se débarrasse de Ramalho. Germain toujours. Là, qui ne pourra pas centrer. Thauvin, Sarr,
Et Sarr qui... Oh, non, il n'a pas perdu le ballon. Thauvin. Il ne sait pas trop quoi faire. Il a toujours le ballon, il ne sait pas trop comment. Sarr. Sarr, il a finalement l'interception d'Aïdara. Ah ben voilà. Quand il n'y a pas de solution. Allez, merci. Panique. Liner. Aïdara. Oula, Payet a fait récupérer le ballon. Schlager. Schlager toujours, Ulmer. Ramalho, Aïdara, Schlager, Gulbrandsen, Lehner parfaitement lancé sur le côté, Gulbrandsen, Gulbrandsen, le superbe tacle, c'est pas fini, ça va, c'est coup, oh, superbe parade de Pelé encore une fois, qui garde quand même l'espoir pour les Marseillais, de ne pas se faire remonter tout de suite, mais quelle frappe de Sabasekou, mais surtout quel arrêt de Pelé, et il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette première période. Et toujours pour l'instant 1-0 pour le Red Bull Salzbourg. Et Payet, Payet qui n'arrivera pas à garder le ballon. Salet Akar. Ulmer. Berisha. Le buteur pour l'instant. Attention. Non, ça passe. Tabour. Berisha. Gulbrandsen parfaitement balancé. Gêné par Luis Gustavo qui dégage. Et heureusement qu'il y a quand même un dernier rempart derrière. Touche très bien placée pour les Autrichiens. À la limite de la surface. Ulmer. Berisha. Ulmer encore. Schlager. Et l'interception d'Amavi et ses habitants. Ici à Salzbourg. Et 1-0 pour le Red Bull Salzbourg. Il n'y a plus qu'un but d'avance pour les Marseillais. Attention, on ne va pas se faire remonter trop vite. Grâce à Valon Berisha. Salzbourg peut encore espérer la prolongation. On n'en est pas encore là. Il suffit que Marseille en remette un autre. Il faudra en remettre 3. Et il faudra en remettre 2 pour la prolongation. Même 3 pour se qualifier. Et 8 tirs à 2 pour Salzbourg. Comme quoi la domination était totalement trichienne dans cette première période. Pas de changement à la pause. Oula, c'est contré. Pas encore pause. Mais il n'aura pas le ballon. Pas de changement à la pause, on garde les mêmes 22 acteurs. Et forcément, les changements vont arriver à un moment ou à un autre. Sarr. Payet, Germain. Payet, faute sur Germain. Mais l'arbitre laisse jouer. Lopez. Sanson. Sanson toujours. On lui est passé. Morgan Sanson, Germain. Sanson, Germain qui peut frapper. Et le but. Et l'égalisation de Valère Germain. Et cette fois, ça fait 3 buts à un score cumulé. L'espoir s'envole à nouveau pour le Red Bull Salzbourg. Mais quelle frappe de Valère Germain. Sa première tentative, elle est au fond. Voilà, il fallait lui donner le ballon plus souvent en pleine lucarne. Alexander Valke ne peut strictement rien faire. Voici une frappe aussi puissante et aussi précise. Mais quel magnifique but de Valère Germain. Ça fait un partout, mais ça fait 3-1. Et là pour l'instant Marseille a un pied en finale. Et voilà, l'espoir revient du côté marseillais. Mais l'espoir s'envole à nouveau du côté de Salzbourg. Qui voit la qualification s'éloigner encore plus. Avec ce but de Valère Germain. Et 2 buts, c'est peut-être pas insurmontable. Mais c'est déjà bien plus compliqué qu'à la fin de la première période. Attention avec Kleiner. Gulbrandsen parfaitement lancé, c'est débarrassé de la défense, Schlager, Samaseko, encore pour Schlager, pour Dabour qui n'a pas pu se retourner, Samaseko, Gulbrandsen, c'est encore pour Pelé, encore Pelé qui est toujours là, il n'avait rien à faire là, Schlager, Berisha, Aïdara, et l'interception, non pas du tout, Berisha, Ulmer, l'interception de Sanson, cette fois oui. Payet, Thauvin, Germain, Payet, et l'interception d'Aïdara, Schlager, Berisha, Dabour parfaitement lancé qui peut aller déborder face à Rami, Berisha, Schlager, Dabour, Schlager, Samaseko, Gulbrandsen. Samaseko, Aïda, non, interception de Thauvin, Sanson, Thauvin, Sarr, Thauvin,
Germain, Sanson, Campos, à ma vie. Campos qui peut aller déborder. Ce sera finalement à ma vie qui va aller déborder. Le centre à ma vie, c'est dégagé. Paramalio, ça revient sur Sanson. Qui vide la touche. Le jeu continue. À ma vie. Germain, Sanson. Payet avec Germain encore. Un super parade de Valque. Ça passera pas cette fois pour le gardien autrichien. Mais le danger est toujours là avec Germain. Rami. Sarr. Interception de Lehner. Et pas pour longtemps. Sarr la récupère tout de suite. Sarr qui déborde. Il passe tout simplement où il veut. Bounassar. Le centre à terre pour Payet. Ça passe juste à côté. Cette frappe de Dimitri Payet. Qui en pu. Et sortie de Xavier Schlager. Et l'entrée de Takumi Minamino. Et l'entrée de la sortie de Maxime Lopez. Et l'entrée de Grigory Sertic. Et Dimitri Payet qui aurait pu donner un but d'avance au Marseillais. Même deux score cumulé. Mais pas pour tout de suite. Samasekou, Berisha. Berisha toujours. Samasekou. Lehner. Lehner qui se débarrasse de Thauvin. Il peut aller centrer. Et finalement, Thauvin est sur la trajectoire et directement sur Ramis de centre. Luis Gustavo. Sarr. Payet. Thauvin. Sarr. Germain. Superbe passe pour Thauvin, parfaitement lancé. Il peut soit aller centrer, soit y aller tout seul. Oh, superbe dribble. Et c'est finalement contré par Lehner. Quel retour. Alors que Thauvin a fait le plus dur. Samasekou. Salet Takar, Berisha, Minamino, Kulbransen, Dabour, Ulmer, Minamino, Dabour, Minamino, le cinéma est sollicité, Minamino toujours, Dabour, attention avec Kulbransen qui peut se retourner, Minamino, et le but, et quelle entrée! Quel coaching parfait de la part de Marco Rose. 2 buts à 1 pour Salzbourg. Ça fait 3-2. Ça fait 3 buts à 2. Score cumulé maintenant. Et voilà, Salzbourg qui revient encore à un but. Quelle entrée fracassante de Takumi Minamino. Et surtout, quelle passe de Gulbrandsen. C'est littéralement joué les 3 défenseurs. Il a encore une fois appelé. Il ne peut rien faire. Et certes, pas si puissant que le but de Schlager. De Berisha, pardon, mais ça fait aussi mal. Et oui, il est frustré, ça se comprend. 3 buts à 2, score cumulé. Salzbourg revient encore. Peut-être avec l'espoir. À chaque fois que je dis que c'est fini, il revient toujours pour me faire mentir. Comme quoi, Salzbourg. Avec Salzbourg, il ne faut certainement pas en tirer l'âge de guerre trop vite. Sertic. Payet. Sanson. Thauvin. Payet, Sarr, Sarr toujours, superbe passe pour Germain, va devoir temporiser, Sarr de nouveau pour Germain avec Thauvin, ça joue très vite du côté marseillais, Thauvin avec Payet, c'est contré, c'est dégagé. Ah bah oui, la défense de Salzbourg a compris, faut certainement pas se laisser avoir comme tout à l'heure. Aïdara, Minamino, Dabour. Interception de Campos, mais pas du tout. Oh, il va mettre un clé de sens, on met le ballon toujours pour Salzbourg. Berisha, Ulmer, Samasekou. Samasekou toujours avec Ulmer maintenant. Samasekou. Ulmer, Berisha. La lutte avec Lopez. Ça va, c'est cool. Ben, décidément. Ulmer. Berisha, Dabour. Ulmer. Berisha, Dabour. Minamino, c'est contré cette fois. Par Rami, me semble-t-il. Et c'est dégagé en touche. Ah oui, Minamino, il est dangereux. C'est la preuve. La sortie de Diadier, ça va, c'est cool. Et l'entrée de Christophe. Lidgeb. Je vais y arriver.
C'est déjà le deuxième changement pour Salzbourg. Alors que Rudy Garcia n'en a effectué qu'un seul pour l'instant. Il reste 18 minutes dans ce match. Et pour l'instant, Salzbourg est revenu à un but. Mais attention, peut-être aller à 0 avec cette occasion. Aïdara. Minamino. Cool Brandsen. Encore pour Minamino. C'est pas ça qu'on ferait. Baron Campos. Et c'est un corner. Pour le Red Bull Salzbourg. Et Mulu voulait son doublé. Takumi Minamino. Il s'est fait. Mais ça a été touché. Non, pas par. Pas par Lopez, par Sanson. Merci. J'arrête de me tromper de joueur. Et bien c'est Dabour qui va se charger du corner. C'est juste avant. Non, c'est Bielicha, pardon. Le corner qui peut tout changer. Oh le poteau. Ça se la frappe. Oh la super parade de Pelé. Oh là là là. Ça aurait pu faire un but en deux temps. Pour le premier temps le poteau. Et le deuxième l'arrêt de Pelé. Et merci sans chance quand même. La plupart du temps à ma vie qui peut déborder. Il est au bout du rouleau. Il en peut plus mais il y va quand même. Le centre d'à ma vie. C'est repoussé. Ça revient sur Sanson. Qui était bizarrement tout seul derrière. Avec Germain qui dribble avec Payet, Payet et but. Et ben voilà. Il n'en a pas fallu beaucoup. Il n'en a pas fallu plus pour Dimitri Payet. Pour cette fois-ci qu'il a inscrit son but. 2-2. Et ça fait 4-3 score cumulé. 5-3 pardon score cumulé. Voilà Marseille qui reprend ses 2 buts d'avance. Ah ben décidément quand ça veut pas, ça veut pas. C'est côté de Salzbourg. Mais même si Marseille aurait pu se faire égaliser à 2 minutes. Mais c'est finalement Marseille qui reprend les devants. Qui égalise certes. Et qui reprend ses 2 buts d'avance. Ah ben voilà. Quand je vous avais dit que c'était loin d'être terminé. Ah pour... non pas. 5-3 ça fait 4. 4-2. Qu'est-ce que je dis. Ça fait 4-2 score cumulé. Encore une fois c'est bien ce que je disais. Marseille reprend ses 2 buts d'avance. Attention, il reste encore 12 minutes et ça passe. Soit ça passe vite, soit ça dure une éternité. Attention, Bielicha, Minamino, interception dans la surface. 4-2 score cumulé pour l'instant. Marseille est toujours qualifié. Il faut pas cesser de remonter maintenant. Minamino, interception de Sarr, Sanson, à ma vie, Campos. Sanson, Payet, Thauvin, oh, Payet, Germain, et l'interception. Goulbrandsen, Salé Takar, Bielicha, Leiner, Bielicha, et c'est complètement raté, c'est directement en touche. Encore 6 minutes à tenir. 8 minutes à tenir pour les Marseillais. Le long ballon pour Luis Gustavo qui est servi. Ça ne sort pas. Germain. Luis Gustavo. Le centre. Oh, chercher Thauvin. C'est dégagé. Ça revient sur Sanson. Le centre. Oh, chercher Payet. C'est dégagé. Et ça revient sur Minamino. Qui se débarrasse de Rami. Il est complètement seul. Minamino. Edgeb. Bielicha. L'interception de Rami qui s'est vengé. Luis Gustavo, Sanson, la transversale pour Thauvin qui est réussi. Sarr toujours, Rami, Payet, Rami, Sanson, cool, superbe dribble, Thauvin, Sanson toujours, qui garde le ballon, Sarr. Qui garde lui aussi le ballon, Sanson. Le centre avec Germain qui peut se retourner. Il va tenter sa chance. Oui. Et l'arrêt de Valque. Et l'arrêt de Valque qui garde encore un peu de suspense dans cette fin de match. Mais le dégagement raté directement rendu Marseillais. Était raté aussi. Bielicha. Leiner. Le tacle raté. Ulmer maintenant. C'était Leiner, pardon. Leiner toujours. Ulmer. Bielicha. Minamino. Attention avec Ulmer. Et ça n'a pas juste à compter. Ça n'a pas juste à compter cette frappe. Et la sortie de Valot Bielicha.
et entrée de Reynold Yabo. Et bien Diderot, il aura joué tout le match. Ballon de Berisha ce soir. C'est quand même grâce à lui. Michael Salzbourg vers le score. Dégagement de Pelé pour ces trois dernières minutes, pour ces trois dernières minutes de cette demi-finale retour. Et Marseille est virtuellement finale de cette Europa League. Le long ballon d'Amavi pour Germain. Il n'est pas servi. Leiner. Leitgeb. Dabour. Minamino. Minamino toujours à l'interception de Serti. Qui rend le ballon directement à Inara Minamino. Minamino. Et l'arrêt de Pelé. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Luis Gustavo s'est dégagé heureusement. Leiner, l'interception de Payet. Germain. Non, c'est trop long. Leitgeb. Et c'est fini. Match nul. Mais qualification virtuelle de Marseille. 4 buts à 2, score cumulé. Marseille est virtuellement en finale de cette Europa League. On sera contre qui ce soir? Soit contre Arsenal, soit contre l'Atlético Madrid. Mais pour l'instant, c'est bien l'Atlético qui est qualifié à son but extérieur. Arsenal, vu qu'il y a eu un partout. 16 tirs à 8. Et oui, plus de la moitié. Non, non, il n'y a pas de prolongation vu que Marseille est qualifié. Voilà. Allez, attendez, on va juste revoir l'énorme occasion pour Salzbourg. Ah bah d'accord, elle n'y est même pas. Ah bah c'est génial. Le résumé ne sert à rien vu qu'il n'y avait pas cette occasion complètement folle. Ah bah c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, ça arrête là pour ce match. Je vous laisse avec le vrai match qui commence dans 20 minutes. Je vous souhaite un bon match. Et bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous pour les finales de la Ligue des Champions. Qui opposera le Real Madrid contre Liverpool. Contre quand faut que je le regarde parce que je ne sais plus. Il me semble bien que la finale de l'Europa League est bien avant. C'est de la Ligue des Champions. Logiquement c'est ça. Voilà, c'est bien ça. Je vous donne rendez-vous mercredi 16 mai pour la finale. Pour cette finale de l'Europa League. Et je vous donne rendez-vous 10 jours plus tard, le 26 mai, pour la finale de la Ligue des Champions. Je vous souhaite un bon match et bonne soirée. Et rendez-vous le 16 mai. Salut à tous. Non, et surtout rendez-vous de dimanche pour Backlash 2018. Voilà, et avant que j'oublie. Salut à tous.